Ok, voilà, c'est reparti. Alors, on est le samedi 12 mars 2016 et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Voilà, et il est 21h05, voilà. J'attendais un petit peu avant de démarrer, histoire que quelques EM s'éloignent un peu du QRA avant de leur casser les oreilles. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Département 47, oui, voilà, c'est ok. Le temps que ça me monte au cerveau, oui, les bonnes surprises 51 à toi. Alors, comment vas-tu? Ah, j'ai énormément de mal à te sortir de mon côté, là, c'est vraiment très très QRP, c'est à peine audible. J'espère que Eric, là, va pas tarder à arriver, là, pour en espérant que lui puisse mieux te sortir que moi. Ah, voilà, là, c'est mieux passé, là. Là, je suis en fixe, je suis au QRA, dans mon trou, là, sur Sainte-Colombe. Voilà, c'est-à-dire entre Saint-Émilion, Castillon, la bataille, pas très loin du département 24. Ok, alors, si, attends, c'est Belphégor, c'est toi Belphégor, Jean-Marie, c'est ça? Si c'est toi, d'habitude tu me passes beaucoup mieux que ça. Mais attends, que je regarde un peu sur le chat là du forum. Ouais, je t'ai vu, ok. Ah ben, ouais, je pense que ça doit être toi, Belphégor. Ok, Belphégor, les mains sont 13. On t'a pas vu là aujourd'hui au sein de Marraine. Je sais pas comment ça s'est passé là, de ton côté. Enfin nous là on y était ce matin. Ce midi on a fait resto. Après ben on a bu le champagne sur le parking. Et n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Ça y est, je commence à déconner déjà moi. Putain, il était trop bon l'apéro ce soir. Radio Broc, je veux dire. Radio Broc. Voilà, donc là, on y était dès l'ouverture ce matin, on y a passé voilà toute la matinée, et un peu avant midi, on s'est dirigé vers un genre de resto, cafette, là, qui est à côté. Voilà, on était une belle attablée, et ouais, ensuite, on a bu le champagne dehors, sur le parking. Voilà, on était bien, là. En plus, la météo était de notre côté. Là, c'était génial. Voilà. Par contre, après, on est pas retourné là, sur Radio Broc. Vu l'heure qu'il était, il était temps pour nous de rentrer, quoi. J'ai cru avoir QSL, enfin il m'a semblé avoir QSL, ouais t'as eu un empêchement. Bon j'espère que c'est pas trop grave de ton côté. J'espère que tout va bien quand même. Enfin bon ça me regarde pas, mais j'espère que c'est pas méchant là, cet empêchement que t'as eu. Hein. Bon, autrement, c'est pas compliqué pour nous là sur Radio Broc. C'est la première année où on voit autant de monde. Voilà, et ça, dès l'ouverture, même avant, parce que j'ai discuté avec un radioamateur, enfin avec plusieurs même, avec pas mal de radioamateurs, dont F6 CDX, La Coquille, le météorologue,
Voilà, et d'après ce qu'il me disait, déjà avant l'ouverture, il y avait déjà pas mal de monde qui attendait, quoi. Break à la station. Enregistrez le break, retour Belphégor. Ok, en avant le break. Ouais, c'est l'opérateur Flan, là, QRZ à Chameau, ouais. QRZ Chameau, 14 ODR 007. Ouais, ben là justement, quand tu étais en train de parler là, j'étais en train de brancher, enfin d'essayer de brancher l'opérateur que Eric va en faire, voilà. Donc c'est ça que je vais faire là, mais voilà, du coup l'YXL est parti au pieu. et donc du coup je vais pas être là et puis je suis là. Je vais pas parler trop longtemps là parce que du coup les voisins, je sens qu'ils vont sortir allumer la lumière là. Voilà, c'est juste pour faire un petit passage, voilà, pour encore vous remercier de la journée là, qui a été très bonne, voilà. Ok Chameau, bon je t'ai enregistré là dans le compte rendu là pour ce soir. J'ai commencé à travailler les vidéos tout doucement, mais j'en ai un stock de photos, de vidéos là de c'est hallucinant. Je sais pas comment je vais m'en sortir de tout ça, mais il va falloir que j'y arrive de toute façon là. C'est vrai que là on a vraiment passé une super journée, là c'était vraiment génial. Alors donc toi, pendant que le chat est pas là, les souris dansent. Ah c'est exactement ça, mais du coup là, nous on est sorti 5-10 minutes en train d'aller regarder ce qu'il y avait du monde là sur le canal 27, c'est sur 115 quoi. Et du coup, j'ai entendu la porte de derrière qui a claqué là, madame est en colère un petit peu, bon c'est pas grave, ça lui passe pas, ça lui revienne. Et donc du coup, elle est partie au lit, mais tant mieux, moi ça me laisse le temps de pratiquer, sur ça. Ok, non, j'ai la voix des ondes qui vient de me sortir une connerie aux oreilles. Chie. Enregistrez le break, voilà, ça commence à arriver. Ok, en avant les breaks. Putain, et moi donc, j'ai même la caméra qui a fait un recul. Ah, je suis pas con. Ah, pourtant, la bande de spray propage le vide. Ah, mais dis donc, je te croyais dans ton pays là-bas, moi. Ah, mais t'étais pas au courant, j'ai changé de pays, moi. Ah, j'ai... Ah, c'est pas cool. Bon, il doit y avoir du monde là derrière, pourtant. Je sais pas, moi, j'en parle peut-être. Ah, il y a pas longtemps qu'on est arrivé là. Par contre, avec votre permission, je vais faire tourner le micro sur mon compatriote qui est à ma gauche, qui va se reconnaître. Allez, en avant. Oui, bonsoir, Chameau, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Oh putain, ça marche plus. Je me porte pas très mal là, j'essaie d'installer un petit peu le parleur Eric m'en fait là. Mais dis donc, je vais dire que je suis pas aussi bricoleur que notre ami d'Andy là. Je vais dire que là j'en chie mais un film de bien là. L'ami d'Andy là, il a des noms de fées, lui. Oh, oh, les sous-entendus, là, doucement, quoi. Ah, chi. Ah oui,
putain, c'est vrai, j'ai un rire de chiotte, faut que j'arrête avec ça. Sylvain, ça marche beaucoup mieux là. Toi, il fallait mettre une vraie pile dedans. Pas une pile qui vient de. Tu m'as compris, quoi, chi. Ah, ça y est, ok, Eric, voilà, Eric de retour, enfin bon, peu importe, la chipou, on en est, moi. Aïe, 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 salut tout le monde, 73-51-14, Victor Eco 27, l'opérateur Eric, 14-ODR-0-L7, vous salue bien et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée en notre compagnie. Comment vas-tu depuis tout à l'heure, c'est loin. 73-51, Sylvain, j'espère que tu es bien rentré toi aussi, que tout va bien, donc t'as bien de ça là. Photo. Ah ben je suis pas rentré, je suis encore chez Rémi, hein. Attendez, non mais allez-y, profitez-en, là je suis en train justement là de voir là du côté internet. Allez vas-y, toi aussi tu veux pas nous parler, d'accord. Non, bon ok d'accord, je reprends le micro. Ok, ouais non, c'est vrai que là, un grand merci à l'ensemble de l'équipe là pour cette journée. C'est vrai que là ça a démarré sur les chapeaux de roue. C'était carrément ça, parce que, comme je dis, il y a Belphégor qui est avec nous, là, derrière. Hein. Voilà, comme je disais à Belphégor, déjà, avant l'ouverture du salon, il y avait déjà pas mal de monde, là, qui attendait pour rentrer, d'après ce que F6CDX m'a dit, là. Voilà, c'était... puis il y avait du monde, hein. Là, c'est sûr qu'il y avait énormément de monde, hein, et... c'est vrai qu'on a discuté et tout, le seul truc qui a manqué, c'est un bar, justement là, dans la salle, parce que je crois que, vu comment on a parlé avec les uns, les autres et tout, putain, on tenait une de ses soifs, aïe aïe. Ok, petite pause là, on a les breaks, je vais les lancer là tout de suite, en avant les breaks. J'entends, mais c'est trop petit. Hein. Ouais, j'entends plus rien, du coup. J'ai entendu quelque chose, c'était trop infime, c'était à peine audible. Enfin, de toute façon, j'ai rien compris quand même, mais c'était vraiment trop noyé dans les QRM de mon côté. La station qui a lancé le break, je l'ai pas entendu, moi. En avant. Il est en train de parler. Ah, c'est du décortiquage. Ok, station, on arrive là. Vous m'arrivez trop QRT. C'est... Bon, je suis rassuré. 73-51 de toute l'équipe. J'entends pas des voix, c'était bien réel. Les stations fréquences, éventuellement. Voilà, donc DEL 14, ODR 06, opérateur, tout dit. Opérateur Claudie en compagnie de plusieurs OM,
département 47, les pages 73 à toi, QSL également, donc tu m'arrives 53. C'est Belphégor. Ok, alors certains au salon là à la brocante radio là, de Cestas ont pu la trouver là, quelques trucs là pas mal sympa quoi. Claudie, toi t'as rien trouvé. Sylvain, par contre toi t'as trouvé quelques trucs. Vas-y là, dis-nous tout. Hein. Claudie, il y a un truc qui t'aurait bien tenté là. C'était quoi déjà là? Je suppose que tu parles du RCY-2970. Exactement. Ah ouais, à Radio Broc aussi? Ouais, Radio Broc, j'ai mis. Ah zut. Eric,
Toi, du coup, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que t'as trouvé quelque chose là-bas à Radio Broc? Ouais, ben comme moi, exactement. Quoi. Voilà, que, d'ailleurs, je l'avais dit à la Voix des Ondes, j'y vais pas pour acheter quoi que ce soit, j'y vais pour se promener, pour retrouver des copains, tout ça, voilà. Là, passer un bon moment, et ça a même été, le moment, il a même été au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Quoi. C'est jusqu'à ce soir même, puisque là, du coup, on a gardé ce soir. Eh bien, Claudie, Sylvain, plus son YL au QRA. Claudie, lui, ben, reprendra la route aussitôt le QSO terminé vers son QRA, car il m'a semblé qu'il s'est fait un peu taper sur les doigts, à chi trois coups. Alors que Sylvain, ben, voilà, pour le coup, ben, ils aiment tellement bien la région qu'ils vont rester une nuit de plus pour partir demain matin à 7h. C'est vrai qu'à Bordeaux, c'est une jolie région aussi, la région bordelaise. Hein. Ah, Eric, il était bon en champagne? Franchement, je ne suis pas champagne, mais je l'ai trouvé très 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 bon. Tu m'as reçu? Ouais, bon, ça cause derrière. Oui, bien sûr, la prochaine fois, je reviendrai. Un carton de 6. Oh la vache. Un carton de 6. Ouais, Eric, par rapport à nous, eux, là, ils sont des mieux placés, quoi. Ce qui fait que là, ils sont de vrais tours de contrôle. Ils reçoivent des QSO de tous les côtés. Et du coup, c'est... ça n'est, je dirais pas emmerdant, non. Mais ils savent plus si c'est pour nous sur le sud-ouest ou si c'est d'autres QSO qui sont en parallèle. Affirmative, je confirme. La station là derrière qui m'arrive qui respect, elle dit c'est pas des QSO, c'est des gens qui racontent des conneries. Voilà, donc oh, ben, il en faut. Ah ouais? Qui c'est la personne qui a dit ça? C'est Jean-Marie. Ah oui, bon, d'accord. Il n'y a pas de souci alors. Ah oui, de route. Vas-y, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est là. C'est Chamon, bon, ok. Allez, je viens de rebrancher le mic là, parce que du coup, obligé de débrancher le mic, parce que j'ai le mic qui me gêne pour enlever le. Ah ben, du coup, ça me regêne pour le remettre, ce qui est con. Ouais, j'ai le mic qui m'empêche en fin de compte d'enlever le poste de. Du couche, quoi. Je sais pas si tu te souviens, Rémi. Si tu peux, QSP, là, à Eric, que ton micro là marche excellent. On a compris, le haut-parleur. Super bien. C'est nickel, là, j'entends 10 fois mieux que. Même, voire 100 fois mieux que ce que j'entendais là sur le poste d'origine, voilà. Ok, on va mettre la chose à l'endroit, le haut-parleur. Ok. Ouais, Eric, le haut-parleur, là, il marche super bien. Là il est super content, il vient de voir la troisième merveille du monde. Ouais, ok, mais t'as vu, ça lui fait plaisir. Hein. Y a pas de souci, je l'avais testé quand même avant. Hein. Voilà. Donc, y a pas de souci. Hein. Mais t'as vu, s'il est content, mais je suis content. Ok, Chamon, tu as reçu? Ah, j'ai reçu. Ah, mais c'est, déjà avec un micro, c'est vachement mieux, j'entends mieux. Et c'est fait que je monte à peine le son pour que j'entende 10 fois mieux, quoi. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas pour hein. Alors comme ça, toi, tu écoutes avec un micro et tu parles dans le haut-parleur. Ouais, sans commentaire. C'est comme avec les yeux et les oreilles, c'est pareil. C'est bon ce soir, c'est bon, hein. Oh, il y a des vieux dossiers là, enfin des vieux, il y a des dossiers qui vont ressortir. Hop, 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 là ça commence. Ah, j'ai mal aux yeux. Ouais. Non mais elle entend pas là. Elle entend pas, elle est sous la douche.
Ouais. Par contre, il y en a d'autres qui n'ont toujours pas compris l'histoire de l'aquarium. Là, c'est resté un grand mystère, ça, aujourd'hui. Oh, on n'entend plus personne, d'un coup. On est derrière, il est pas gentil. Ouais, mais il y en a qui sont daltoniens et qui ont fondu les trucs aussi. Ah ouais, non, mais l'histoire de ton aquarium, c'était le dossier du week-end. Ah, ça, c'est sûr, oui. Encore ? Ah oui, on t'entend, hein. Je viens de rebrancher le mic, là. En même temps, le micro, là, je vais... le micro, ça y est. Le parleur, je vais le brancher. Oh, là, là, là. Attends deux secondes. À la base, le poste, là. Tu vas le... Attends, j'ai pas compris, là. À la base, on voulait mettre le poste en hauteur comme nous l'ours. Et en fait, quand on dit de mettre le poste en hauteur comme nous l'ours, je vais mettre le parleur en haut, là. Ah bah tiens, bien sûr, surtout que là t'as la place toi. Ouais ouais, bah là tu m'étonnes, là c'est sûr que là ça va tout changer, hein, ça... Comment je parle, tu vas beaucoup nettement mieux entendre. Hein. Peut-être en même temps que tu parles, si, comme ça, ça me dit à peu près quelque chose de le même. Comme ça je fais des tests, voilà. Ouais ouais, ben voilà, t'as bien raison. Autrement, toi Claudie, là, qui découvrait en même temps, par la même occasion, là, le milieu radioamateur, tout ça, les avoir côtoyés justement, échanger avec eux, de ça, discuter, je veux dire, tout ça, hein, qu'est-ce que t'en as pensé, hein? Alors pour ma part, j'ai bien aimé. Vraiment cuir, vraiment sûr, hein, c'est vraiment cuir, il n'y a pas d'autre mot. De mélanger les cibistes et les radioamateurs et que ça réussit à s'entendre, c'est juste magnifique. Ah ouais, c'est sûr, ouais, je voulais... Non mais quand j'étais... comme tout à l'heure sur la route, où je sais plus... j'ai dit Claudie, alors que je voulais dire... Toi, en plus, Claudie, tu connais le milieu radioamateur, là, avec ma reine. je voulais dire Chameau. Hein? Sylvain, il connaît un peu, je pense. Ouais, Chameau, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que là, tu découvrais vraiment, quoi. Là, ça fait pas tout à fait un an, déjà, que t'es sur la CB. Là, aujourd'hui, t'as vraiment découvert le milieu radioamateur, tout ça. Enfin, du moins, sur une brocante. Voilà. T'as eu l'occasion de discuter avec quelques personnes pas mal. Là, ok, voilà, c'est reparti pour un tour. Donc, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé alors? C'était bien. Après, la dernière conversation qu'on a eue, quand on a dessiné ça, la dernière conversation qu'on a eue, c'est celui là qui faisait à. C'était fou intelligent d'ailleurs. Je faisais avec Internet et tout ça là. Claudie était pas très pour aussi. Je sais pas si tu te souviens, Claudie, l'histoire de mélanger la TV avec Internet et tout ça. C'est vrai que ça paraissait bizarre au début, mais après, avec un peu plus de réflexion, c'est vrai que quand t'es éloigné, cette idée-là était vraiment pas mal, quoi. Cette idée-là était vraiment pas mal, quoi. Ouais, c'est sûr, affirmatif, ça pourrait être intéressant pour certaines stations, oui, mais bon, oui, on peut se renseigner éventuellement, il n'y a pas de souci avec ça, mais on n'enlèvera pas, moi je suis têtu comme pas possible, on commence à me connaître un petit peu sur la fréquence, moi le système radio c'est un micro, un TX, une antenne, voilà, et puis après ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Quand ça fonctionne pas, on essaye, et puis on relance, et puis voilà, ça, c'est le loisir, c'est mon hobby, c'est ma passion, et puis on ne l'enlèvera pas. Le coup de passer par les relais internet et ainsi de suite, moi je vois pas l'utilité. Enfin, pour moi, hein, c'est mon point de vue personnel. Après les autres, voilà, ils pensent ce qu'ils veulent. Je prends la responsabilité de dire ce que je pense. Et si tu veux passer par Internet, prends Skype.
je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'ai eu la même réflexion au début, sauf que c'est pas pareil en fait que Skype. Tu veux, si j'ai bien compris, donc du coup, le QSO pourra bien se passer sur le TX, vraiment sur le 27-275, et si maintenant toi tu n'arrives pas à suivre de là où c'est le QSO du 27-275, tu vas donc sur Internet, donc du coup, sur le... Donc le réseau, enfin le réseau, et en fin de compte, tu arriveras à suivre ce que eux disent. Après, je sais pas si tu pourras émettre, par contre, ça, à toi de me confirmer, Dandy, là, à toi. Alors, d'après les explications qu'il nous a données, si j'ai bien tout compris, donc ce serait un relais fait à partir d'un PC connecté à une station via un logiciel en passant par Internet. Alors attends, ouais, alors là c'est, je suis sûr, je vais le dire dans le désordre complet, quoi. Oui, voilà, c'est un relais, pas un répéteur. C'est un relais qui te permet de tu passes par une station, par un PC qui est renvoyé sur Internet. Donc tu peux entendre et aussi répondre via un logiciel que tu as sur l'ordinateur. Ça me paraît assez hard, hein, comme truc. Hein. Je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser là, j'ai une petite urgence là, la petite urgence, c'est ma fille, elle donne des coups de pied là pour la première fois là, je vais y aller. Hop là, urgence médicale, ok, chameau, à plus, bon courage. On content, allez, bisous, bye. Oh là là, j'ai vu ça en direct, super. Alors c'est nickel de mon côté, moi j'ai du dossier, ben voilà, donc Chameau, je sais pas si tu es toujours en fréquence, de bonne 73 à toi, que du bonheur, voilà, que du bonheur, j'ai vécu ça aussi, et puis je te ferai passer la petite vidéo que je suis en train de faire, voilà, c'est dans la boîte. Ouais, là il est déjà parti, attends, hey, c'est trop tôt là. Et les coups de pied, c'est pas encore, c'est plus tard. Ah, elle a dû mélanger coups de pied et contraction, qui veulent rien dire, quoi, en fin de compte. Hein. Parce que là, vu le temps qui reste, c'est beaucoup trop tôt, quoi. Ah, ça se pourrait peut-être bien, ouais, mais voilà, je connais pas son YQN, je connais pas les dates précises ni rien du tout, je sais pas, voilà, je suis juste au courant de la bonne nouvelle, je peux pas confirmer, donc voilà, mais le fait est que tout est dans la boîte et puis je lui ferai passer, y a pas de souci. Ouais, sauf que c'est prévu pour septembre, je crois, quelque chose comme ça, il me semble. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc si c'est prévu pour septembre, c'est un peu tôt quand même. Hein. Ouais, bon, on va pas s'étaler sur le sujet. ouais, voilà, on était en train de parler de ce truc là que l'OM là, nous a un peu décrit. C'est vrai que c'est assez complexe, hein. C'est assez complexe, mais même si qu'on adhère pas, peu importe, hein, ça mérite quand même qu'on se penche dessus, qu'on s'y intéresse, quoi. C'est qu'on garde de plus près, quoi, le fonctionnement, le principe, même si on n'a pas envie forcément d'utiliser, enfin bon, peu importe ce que l'on fait avec, quoi. Mais voir un petit peu là comment ça fonctionne, ce truc, hein. Parce que oui, il a bien dit qu'à partir du logiciel sur le PC, tu peux répondre aux stations, quoi. Donc là, pour le coup, c'est Internet qui sert de relais, quoi, via un PC branché à l'autre bout, via une station de brancher sur le PC, quoi. Enregistre le break. Ouais, affirmatif. Donc, oui, c'est bien l'histoire de station branchée sur PC et ainsi de suite. Moi, le petit problème qui va se poser, c'est que, étant très, très nostalgique avec mon UTX, qui date des années 80, voilà, il n'y a pas de connexion
les connexions série ou parallèle, je sais même pas comment ça s'appelle, pour le brancher sur un PC. Et ça m'intéresse pas de partir sur du nouveau matériel, tout en sachant que voilà, je suis très nostalgique. On pourra le voir sur la vidéo, j'ai un vieux président Grant qui fonctionne très bien. Je roule avec une très vieille Super 5 qui fonctionne super bien. Et puis voilà, moi je suis resté à l'âge de pierre. Oui, je suis. Ah, il y a eu un break au fait, je vais pas te faire attendre plus longtemps. En avant le break. Ouais, Cédric, voilà. Là, je vais relaisser moi les stations parce que là, ça devient un petit peu difficile ce soir. Donc, je vous invite à tout le monde et puis je vous souhaite une bonne continuation du QSO. Et puis, je vous dis à plus tard. Voilà. Allez, retour à Rémi, tu seras tombé. Ok, ouais, non, ouais, ça s'entend à ta voix. Quoi. Là, t'es en train de t'endormir là sur le poste. Le petit vieux, il a pas fait sa sieste aujourd'hui. Hachis trois coups. Ok, bonne nuit Eric. À la prochaine. Retour sur Sylvain, le plus éloigné. Enfin, retour Sylvain. Merci. Bonne soirée. Bonne nuit Eric. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Très sympathique les gars du Sud-Ouest. Hein. Franchement, vous assurez les gars. Bonne nuit. Allez, bye bye Eric, à bientôt. Bye bye, bonne nuit. Ok, Buffegor est toujours parmi nous. Buffegor, t'es toujours parmi nous? Ah, c'est le fric que toi te prends en pleine tête, tu vois. En plus, t'es pas loin, je vais pas me fatiguer. Alors, comment vous êtes positionné là-haut, là? Puisque là, apparemment, on n'est plus que tous les trois, là. Je vais arracher un pied de vigne et puis je vais te le lancer. Attention. Ok, ça marche. Non, mais par rapport à tout à l'heure, quand je t'ai montré l'endroit, là, il y en a un qui s'est mis à un bout du chemin, l'autre à l'autre bout. Comment vous êtes positionné, hein? Alors, c'est tout simple. Sylvain est à l'entrée, et moi, je suis tout au bout. Tu sais, là où la Super 5 est embourbée. D'accord, t'es en train de me dire qu'il faudrait que je vienne te chercher, y'a pas de problème. Non, négatif, y'a pas de soucis avec ça. Je vais redémarrer, par contre, j'ai fait demi-tour, je suis monté dans le champ là où tu te mets d'habitude. J'ai de la terre, de la boue, de la pluie, de la flotte, y'a de tout, mais jusque sur le pare-brise, tu vois. Oui, mais vu le terrain, il vaut mieux avoir des pneus larges là pour passer là. Avec mes petites roues brouettes en 13 pouces, ouais, ça devrait faire.
Tu m'étonnes. Là, on va avoir des espèces de caniveaux de tracés dans le champ. Aïe, aïe, aïe. Souvenir du week-end. Moi, je m'étonne de faire un Florent. Ah, Florent de retour. Ok, ça marche. Par contre, Claudie, puisque tu es là sur le terrain, quand tu ressortiras là, de là, méfie-toi, tu as une bosse, ça te fait une bosse au niveau de la terre. Tu risques de... si tu fais pas gaffe, ça risque de toucher en dessous. Il y a Florent de retour. Vas-y, Florent, pour les news. C'est un peu, c'est un moment qui s'en fout, je sais pas, il s'en est en fait, j'ai rien senti, bon, on devrait pouvoir commencer à le sentir, la moitié, en principe, là, on devrait commencer à le sentir, mais du coup, elle va plus le sentir que moi, mais bon, voilà, quoi, moi, je pense quasiment rien, quoi, ce qui est normal, je pense. C'est beaucoup trop tôt, c'est peut-être juste une petite contraction comme ça, et puis c'est tout, quoi. Attends, c'est pas avant, l'accouchement est prévu pour septembre. Attends, là quoi, là, 3 mois de fée, quoi, c'est beaucoup trop tôt, quoi. Elle arrive à 4 mois, et la gynéco, elle a dit qu'en fait, on allait commencer à la sortir, là, pour tout. Je veux bien qu'il soit précoce, mais là quand même, à 4 mois, arriver à sentir ça, moi j'ai un gros doute. Hein. C'est plutôt... Et en plus, voilà, j'ai deux YL au QRA ce soir. Là, je suis chanceux. Et elles sont toutes les deux d'accord avec ça. C'est beaucoup trop tôt, là. Juste une question comme ça. Ta gynéco, elle fait quoi dans la vie? Putain, ouais, c'est pareil, tu me... Putain, mais tu m'arrives, faut voir comment, là, ici, hein. Ah, moi, je l'ai pas coupé, moi, la vidéo. Oh, c'est là, Sylvain, faudra pas le mettre, hein. Ah, mais moi, tant pis, hein, j'ai pas de logiciel, donc tout ça, donc ça fera en direct, comme ça. Ah, non, bon, après, madame, elle sait que je rigole. Ah, c'est bon, tu es tranquille, elle t'entend pas, hein. Comment j'essaie de se rattraper là, oh là là. Ah non, je suis désolé. Moi, je suis toujours en train d'essayer d'installer mon poste là. Bon, dis-moi, Eric, il est toujours ici, là, dans les environs? Non, Eric, il a capitulé, là. La journée lui a été trop dure, pour le coup, il est parti au C-44. Là, il reste plus que là de nous autres, là, sur ce côté-ci, quoi. Claudie, tout à l'heure, il rentre chez lui, mais avant, il raccompagne Sylvain au QRA. Voilà, c'est ça, quoi. C'était ça, la question? Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pour savoir si là, il était encore toujours sur la hauteur ou s'il était redescendu, là, déjà. Ah, non, ils sont toujours en haut. Ben, t'es, vas-y, Sylvain. Ah, ouais, je suis toujours en haut, là, entre les vignes. Ok, alors moi j'espère que je ne brouille pas mes voisins avec leur télé là, leur télé de malheur. Moi, je m'en fous, ma femme ne regarde pas la télé, alors voilà. Ok, mais on se sent bien, non? Moi je suis tellement bien que je vais rester encore une petite nuit ici, toi. C'est lundi comme ça. Après, non, j'ai pas d'invité à vérifier quand même.
c'est mon choix surtout. Bon, il a dit, c'est un réseau social, ça donne quoi? Eh bien là, ce soir, c'est assez calme. Voilà. C'est... Alors, attends, que je regarde ça. J'ai pas de message particulier. Si ce n'est que, oui, le QSO est lancé là, un peu partout. Mais côté, côté Internet, c'est relativement calme. Alors, qui c'est... ouais, voilà, ça commande pas spécialement. C'est, ouais, tu vois là, les gens là, ils doivent être tellement bien d'un côté en QSO, de l'autre côté certainement devant la télé, et puis voilà quoi. Ok, bon, on est samedi soir, pourtant il n'y a pas de vent ici ce soir. Attends, tu peux me revenir, j'ai du QRM à la maison, j'ai pas compris. On est samedi soir, il n'y a pas de vent ici ce soir, hein. Ah, je sais pas. Là, il y a juste The Voice, c'est Rémi en direct. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Puis comme mon YK, il les adore pas, putain, elle est pas dans la merde. Ouais, je confirme. J'entends causer au loin, mais je sais pas si tu entends Claudie, ça cause en loin, qu'ils sont parallèles, là. Affirmatif. Les bandes 73, 51, toutes les stations fréquences de la part de 14 ODR 016. Opérateur Claudy, département 33. S'il y a des stations en stand-by, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. En avant, les stations populaires sur nationale. Si vous voulez rentrer, il n'y a pas de souci. Putain, ce coup-ci, Sylvain, t'es passé aussi fort que Claudie, là. Ah ouais. Ton YK, elle confirme. Hop, j'ai pas... Désolé, Claude, Chameau, j'ai parlé en même temps. Ouais, Sylvain, je disais que ton YK, elle a confirmé, justement, là. Que j'étais bon? Que tu es passé aussi fort que Claudie. J'ai pas touché à l'égrégole de Sylvain, moi. Hein. Ouf. Ouais, c'est la fille, c'est toi que je t'ai passé ou c'est Dany là qui t'en a passé là? j'ai rien. Ouais. Mais ouais, j'entends siffler derrière. Ah, j'aurais dû prendre la GP27. Hein. C'est un défaut que j'ai eu là. Ouais, mais tu vois, ce soir, ça a envie d'être plus calme. Ils sont en train d'essayer le matériel qu'ils ont acheté à Radio Brock. Il y a des chances. Il y a un QSO parallèle, hein. Ça doit être un QSO parallèle. Parce que il n'y a pas de break, il n'y a pas d'appel, il n'y
Ouais, c'est là que ça aurait été intéressant que tu aies une directive, par exemple, pour savoir si ça vient, je sais pas, côté Méditerranée, Pyrénées, ou alors plus vers le nord, puisque là, sur 3 QSO de suite, là, on a quand même eu le département 92. C'est vrai que là, ça aurait pas été mal de voir un peu d'où ça vient, quoi. Ok, là. Je vais vous laisser là, VQRT. Les bonnes 73 à vous et merci encore pour la bonne journée là. Les bonnes 73, à bientôt. Allez, bonne 73 à toi Chamo. Et puis la prochaine sur la fréquence, bon 144 et attention à YL. Non, oh, putain, le YL, c'est la bonne, tu vois. Allez, bye, à bientôt. Ouais, c'est dans la boîte à tout à l'heure, ça tombe dans 5 minutes, t'es revenu. Si trois cours, putain, un petit. Merci beaucoup encore pour tout ça. Ok, j'espère que je ne module personne. Ok, c'est bon. Alors, c'est peut-être Belphégor là, qu'on a entendu derrière, je ne sais pas trop. Parce que là, j'ai un message là, sur le chat là, du forum. Donc, il passe QRT. Et là, voilà, je passe QRT 73 à tous. Voilà, je viens de lire le message laissé sur le chat du forum de la part de Belphégor. Et il nous remercie là pour cette journée. Enfin, ben non, il n'était pas là. Bon, bref, c'est pas grave, on s'est compris. Ok, break, ok, deux secondes, break. Allez, moi, 73-51 à toi, Belphégor, merci d'être passé en fréquence. Je fais tourner le micro sur Sylvain, puis Sylvain te fera rentrer le break. Allez, à l'avant, Sylvain. Ok, Belphégor, amitié 73, bonne nuit, et puis bon dimanche et bon week-end. En avant les breaks. Il y a quelque chose. Alors on a une station là avec une chambre d'écho, j'arrive pas à la sortir. J'ai vraiment un problème avec les chambres d'écho, moi, apparemment ça passe pas. Sylvain, est-ce que tu as décodé? J'entends qu'il y a quelqu'un qui parle avec les chambres d'écho, mais c'est QRP de mon côté. Ouais, j'ai eu la même chose, là. C'était très très QRP de mon côté. Ouais, j'ai bien. Il m'a semblé entendre effectivement une chambre d'écho. Pas là pour voir, puis de toute façon là non, tous les deux ensemble là moi je veux pas voir hein. Là je veux même pas savoir, je veux pas voir. Des bonbons de menthe, je précise, à moins de pervers. Alors voilà, je fais un tour de caméra sur moi là, sur le siège passager là, et à l'arrière comme ça on voit bien qu'il y a personne. Comment il cherche à se défendre? La voisine, des ondes dit comme ça, elle mange pas tout. Non, c'est pas. Ah non, c'est pas la voix des ondes. Sylvain, ta femme te fait dire de pas tout manger. Mais non, je suis en pour la route. Ouais, j'attends encore la station derrière. Moi, je suis trop bas là pour arriver à le faire rentrer. Allez-y. Ok, est-ce que c'est toi, Daniel, senteur 14ODR 064? Il m'a semblé reconnaître ta voix, je suis pas sûr. Normalement, non, ça devrait pas être toi, mais de mon côté, c'est ça serait la même voix que j'ai là, que j'entends. Thank you.
Ok, 14 ODR 010, il me semble. Et c'est. Et les stations, là, c'est moi en bas, là, qui arrive à le décortiquer un petit peu. Et je pense que, si j'ai bien compris, c'est 14 ODR 010. Donc, si c'est bien ça, je confirme, ça marche. Mais c'est très, très QRP, là, de mon côté. Retour de micro sur, sur Claudie. Alors, on a 14 ODR 012, opérateur Didier. 012, ok, ça marche. Ok, QSL Didier. Les bonnes 73-51 tours de 14 ODR 016. Opérateur Claudie, sur les hauteurs de Saint-Marin de Castillon, département 33, en compagnie de. Oui Didier, donc 73-51 de 14 Charlie Radio, 011 opérateur Sylvain sur les collines de, bah, à côté de Dundee, hein. je suis à quelques mètres de Dundee et puis de Claudie là. Retour Didier si tu es à côté sur moi là. C'est Didier 012, c'est bon, j'ai reconnu. Voilà, c'est ce que je viens de dire justement. C'est après coup, là, quand tu as dit là, 14 ODR 012, je me suis dit, mais attends, 012, 14 ODR, Didier, je sais qui c'est ça. Voilà, c'est Didier 012. Il est sur les deux forums, les ondes du routier et la planète Sibu francophone. Voilà, on l'a avec nous. Non mais hey, t'imagines où c'est, hein, il est loin là. Il est sacrément loin parce que voilà, il doit être soit sous le département 012 ou département limitrophe. Voilà, à chaque fois il prend son véhicule, il essaie de trouver un endroit où ça va enfin passer, et puis là ce soir, même si c'est très QRP, c'est quand même gagné, ça passe. On est très content, Didier 012, voilà, de te compter parmi nous. Voilà, les bosses sont très sacotés à toi de la part de Dundee 33, voilà, en station fixe entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille, voilà, pour te situer. Et les deux autres stations qui sont avec moi, eh bien, c'est Claudie 14, bah, ils se sont déjà présentés. Pourquoi je vais les représenter? Voilà. Bon, ce soir, de notre côté, c'est assez calme, car les OM sont relativement fatigués de la journée qu'ils ont passée à Radio Broc, où il y a eu énormément de monde. J'ai un stack de photos, de vidéos, ça va me prendre un moment pour pouvoir travailler tout ça, quoi. Retour à toi, Didier. J'ai énormément de mal à te sortir, en plus j'ai la fréquence de mon côté qui est pas très propre. Je t'entends parler derrière, ça, il n'y a pas de souci. En plus, toi, la vidéo continue à tourner, là, j'enchaîne les vidéos, là, ce soir. Et donc là, tu auras l'occasion de pouvoir t'entendre dedans. J'ai repassé le micro, là, du côté de Sylvain. Voilà, Sylvain, pour Didier 012. Ouais, j'arrive à l'entendre avec... réception, il n'y a pas de souci. Retour à Didier, s'il m'entend. Oui, Didier, ok, il n'y a pas de souci.
T'as pas de signal, mais t'as une petite radio de 1-2, là, ça passe bien de mon côté, y'a pas de soucis, j'ai pas beaucoup de QRM, donc c'est nickel de mon côté, là. Ok, belle bonne 73, Gilles à toi Didier, 214 Oli, 016, opérateur Claudy. Alors, pour faire un petit peu le tour rapidement, Didier nous disait qu'il a remis un ampli, un petit ampli sur sa station en mobile, mais il est sous-alimenté, donc ça lui fait des coupures et ainsi de suite, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas comme il veut. Moi je te souhaite les bonnes 73 à toi, donc je fais tourner sur les stations avoisinantes. Ben il reste plus que nous là. J'ai entendu siffler. Oui, Dem. C'est Didier qui a tiflé, c'est Didier. Ok, ben je profite un petit peu du blanc qu'on a. S'il y a des stations en arrière, allez-y. Les breaks en avant, les breaks, les coupés, les décapotables, c'est parti. Lui tient la forme. On a voir les stations, ceux qui veulent rentrer dans le cuisseau national des canals 27. On a voir les stations mobile, fixe, aviation, bateau, tout ce que vous voulez en avant. À tout hasard, si Didier, là, il a passé QRT. Guller, là il est presque, il est pas loin de 22h10. Claudie, toi t'as de la route qui t'attend. Sylvain, demain tu dois te lever tôt. Je voudrais pas gâcher l'ambiance de la soirée, mais bon, s'il n'y a plus personne derrière qui veut rentrer, ben on peut couper le cuisseau là. Hein. Ah ben écoute, s'il n'y a plus personne derrière qui veut rentrer, on peut essayer par devant. Lui, il n'a pas envie de QRT. Ok Didier, ben les bons sont les bonnes 73, les bons 144. Didier va QRT, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas copié Didier, c'est transmis. Ok, merci, parce que c'est vrai que je l'entendais là derrière, mais c'était vraiment, vraiment infime. Ok, Didier 012, 14 ODR 012, les bons 113 51 à toi, content de voir que enfin t'es arrivé à passer jusqu'ici. Donc, t'auras bientôt, dès que je peux, comme j'ai tout à l'heure, j'ai 3 tonnes de vidéos, de photos là à traiter. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne là sur la vidéo. Voilà, retour Sylvain. Oui Didier, ben 73, hein, bon chiffre, et puis à une prochaine sur la fréquence, pas de soucis, puis bonne nuit, et puis bon week-end. Allez, bye bye, retour à Claudie. Ok, d'accord. Ok, puisque là il reste plus que nous, et voilà, ça y est, il est 22h10. Ouais, bon, on va arrêter là. La journée était quand même pas mal chargée. On n'a pas beaucoup dormi hier soir, loin de là. Sylvain, on s'excuse hein, que tu sois arrivé en retard. je déconne. Attention au bocal à poisson quand tu tireras la chasse d'eau. Hein. Allez, on va couper le. On va arrêter le cuisseau là. Là, c'était bien sympa. On a bien profité du week-end. Et on est bien content que vous soyez les uns les autres descendus là, justement pour être avec nous là, sur la Gironde. Et
Claudie, bon retour chez toi, fais gaffe à pas avoir un blocage de frein. Fais attention à toi sur la route. A très bientôt sur les ondes sur internet. Et Sylvain, de suite. Ok, ça marche. Ouais, Claudie, si on s'en repose, on s'en entraîne, et puis à bientôt sur internet, téléphone, y'a pas de soucis. Ok, il m'a semblé entendre Didier là derrière, là, qui disait bye bye. Ok Didier, désolé, mais là c'est vrai que là la journée était très dure, on a à peine dormi la nuit dernière, et demain matin j'ai des personnes au QRA qui doivent se lever très tôt, donc là le week-end il n'a pas fini d'être dur. Merci de ton petit passage, très content de t'avoir entendu, à très bientôt. Je t'entends un peu, là, je t'entends un petit peu. J'ai la vidéo qui continue là, de tourner, il n'y a pas de problème, là, tu pourras voir ça. C'est très QRP, mais le principal, c'est qu'on arrive quand même à t'entendre. Ça, déjà, c'est un bon point, c'est déjà gagné. Allez, désolé, mais là, c'est vrai que là, on est quand même pas mal fatigué. On passe QRT, des 913-51, toi, et très content pour toi, là, que t'aies enfin réussi, et à très bientôt. Ok, merci, bye bye. Ah, j'ai entendu quelqu'un, oui. Donc là, il y a Claudie et Sylvain là qui redescendent de la colline. Claudie là va rentrer là chez lui. Là, il a 170-175 km à faire là pour retourner chez lui. Sylvain là qui rentre au QRA rejoindre son YL. Et puis là, ça va être direction le 144 car demain matin ils doivent se lever de bonne heure pour prendre la route. Eux, par contre, du côté de Lyon. Avant de remonter après du côté de Troyes. Alors tu vois que là c'est pas gagné quoi. Là. Voilà, donc là, vu qu'il n'y avait plus de break là derrière, tout ça, là on est en train de passer QRT. Là. Voilà, les bonnes sur 1351 à toi. Donc le temps que je m'occupe là des 3 tonnes de vidéos, car là il y a pas mal de vidéos. Il y a des photos aussi, ça, les photos, on a fait des photos de groupe avec les voitures et tout, ça. Maintenant, il faut que je maquille les plaques d'immatriculation, c'est la moindre des choses, hein, 50 personnes. Et après, bon, je mettrai tout ça là, sur Internet, là. Et il faut que je fasse au plus vite, hein. Voilà. Et d'ailleurs, là, tu vois, là, je suis en train de commencer à encoder là, les vidéos là, sur l'ordinateur. Là, ça, le truc qui va tourner autant que ça va être possible, là, pour essayer d'avancer au maximum à ce niveau-là. Allez, Belphégor, je te laisse. Merci d'être venu dans le QSO. Des bonnes soirées à côté à toi et bon dimanche. Ok, ah oui, petite info, il y a derrière Didier 012, voilà, bon, du département 12, là, qui a enfin, qu'on a sur les deux forums, et qui a enfin réussi à nous avoir en fréquence. Alors, ça fait un sacré bout de route quand même depuis là où il est, hein. Et bravo pour la performance, je sais pas s'il est encore derrière, parce que moi de mon côté là il m'arrivait très QRP, mais le contact est établi quand même. Voilà, donc je sais pas si t'as réussi à l'entendre. Allez, je coupe les filaments, les 1351 et bon dimanche.
je remonte là. Donc, je vous souhaite les bonnes 73, les bonnes 51, les 88 et voilà, bon, le petit week-end bien sympathique se termine. En tout cas, encore un grand merci à vous. Un grand merci, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait plaisir, voilà. Je voulais que vous le sachiez. Et puis, moi, je suis reparti pour les 175 km qui m'attendent. Et j'espère qu'on remettra ça très prochainement. Ok, voilà, j'ai coupé. Voilà, je suis descendu de 4,5 watts à 3,5 watts. Ça va, ça ira, ça te casse vraiment les oreilles. Je chie trois coups. Ok, et puis surtout sois prudent sur la route, parce que là, bon, c'est vrai que pas beaucoup dormi la nuit dernière. La journée avec le monde et tout qu'il y avait, ça, le veto, ceci, cela, tu dois quand même pas mal crever, quoi. Donc fais gaffe à toi, hein, surtout, hein, et puis bon dimanche. Et puis nous excuses à ta femme pour t'avoir gardé aussi longtemps, quoi. Hachi. ouais, t'inquiète pas, les excuses seront transmises. Alors, mais t'inquiète pas, pour la route, ça va le faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, en espérant ne pas me faire embêter par Mademoiselle Super 5, qui normalement devrait pas poser de problème. Voilà. Donc, les bonnes 73 à toi. Les bonnes 73 également à Sylvain. Les 88 aux YGL. Et puis, bon 144 surtout. Reposez-vous bien. Vous en avez bien besoin. C'est vrai qu'avec le week-end mouvementé qu'on a eu, un peu de repos ne fera pas de tort. Voilà. Bon, allez, moi je programme mon PS, mon GG. Et puis, je suis parti. Allez, bonne soirée à tout le monde. Et puis, bonne nuit. Ok, on te laisse avec la gourde qui parle seule, Hachi. Voilà, là j'éteins la station. Allez, bonne route et prudence.